Donc bonjour à toutes. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pour réaliser ensemble une carte toute simple, une carte de Noël pour débutantes. Donc j'ai réalisé déjà celle-ci. Donc c'est avec les dash kites de chaque action. Donc c'est ces blocs-ci. Je pense que vous les avez eus. Donc c'est ceci. Voilà, c'est les blocs de chaque action de Dice Cut. Donc j'ai fait celle-ci donc avec un petit nœud papillon ici en velours. Ici Happy New Year. Voilà. Ici en bas, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mis de la fausse neige. Et un dice de comment dire, une boule de Noël. Et les papiers de base, ben, c'est les papiers de base comment dire, de 160 grammes. Et ici, le papier, c'est aussi du papier de chez Action. Donc, c'est du papier texturé. Donc, c'est cela. Dans les... Voilà. Alors, bon, donc, je disais, il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Merry Christmas. Il y a celle-ci dans les rouges. Il y a celle-ci avec le nounours et le sapin. Et celle-ci un peu dans le bois avec le Père Noël. Donc on va réaliser cette carte ensemble. Donc j'ai déjà tout préparé. J'ai préparé les décos, les dice cuts, etc. J'ai préparé aussi un morceau d'organza. Ici, ici des perles. Comme ceci. Et puis voilà. Donc on va démarrer. Donc on va avoir besoin pour cette carte d'une base ici de papier cardstock de 15 cm sur toute la longueur de la feuille A4 et vous allez plier en deux. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier texturé de la couleur que vous souhaitez. Donc de, je vais vous dire, donc de 14,5 sur 14,5. Et là, vous allez avoir besoin ici d'un papier imprimé de 14 sur 14. Donc en fait, vous diminuez à chaque fois de 5 mm. Voilà. Donc on va commencer. Donc on va mettre de la colle ou double face, hein, ce que vous avez. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Ensuite, on met le papier imprimé. Voilà, à peu près comme ceci. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une base de papier, donc je vais vous dire ça au fur et à mesure, donc de 13 par 13, donc là ça fera 12,5 par 12,5 et 12 par 12. Donc on continue, on met de la colle. Donc c'est des cartes franchement toutes simples mais qui peuvent faire leur effet, donc pour offrir et on met le papier imprimé. Voilà. Donc si vous entendez du bruit, c'est ma chienne. Non. Voilà, à peu près. Donc voilà. Donc les deux bases sont faites. Ensuite, pareil, vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock de 11,5 par 11,5, donc vous faites 11 et 10,5. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc on colle. Et on colle le morceau de papier imprimé. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin, pardon, d'une petite bande
de 3 cm sur 14,5. Donc là, je crois 2,5 sur 14. Attendez, que je ne dis pas de bêtises. 3, donc 2,5. Donc là, ça fait 14,5. Donc ça fera 14. On colle. Voilà. Donc, on va commencer à assembler. Donc, je pense que je vais mettre un petit liseré rouge au milieu pour casser un peu parce que... Voilà, donc on va mettre un petit... Voilà, on fait un bord à bord. Vous marquez ici le point et on va couper. Voilà, donc on met, voilà, on met de la colle. On va mettre à peu près au milieu. On va mettre ici, on met de la colle et on va le mettre en travers en fait. Donc, on va le mettre, attendez, comme ça. Non, on va le mettre comme ça. Voilà, on va le mettre en biais. On va mettre, je vais mettre la colle. On va continuer, donc on en colle le dernier morceau, enfin le dernier morceau. Donc je pense que j'ai fait de bêtises avant. Comment je peux faire? Non, ben c'est bon, on va en coller. Voilà, et vous mettez encore une fois ben, de travers. Ah, on va prendre la petite bande qu'on en colle. Voilà. Et on va mettre aux 3/4 comme ceci. Voilà. Maintenant, on va passer à la déco. Donc pour la déco, j'ai pris un tag comme ceci que j'ai mis sur le papier cardstock. Donc voilà. On va le mettre. On va le mettre. Oui, attendez. Bon, on va le mettre comme ça là. Voilà. On va s'occuper des die cuts. Donc voilà. Je pense qu'on va le mettre ici. On va rajouter les petites étoiles. Bon, vous avez vu, c'est pas compliqué comme carte. Hein, plus facile. Donc ça peut être pour les débutants ou même pour les personnes un peu plus expérimentées. Voilà. Ici, on va mettre un tout petit peu de colle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas mettre, parce que j'aurais voulu mettre une... On va le mettre ici peut-être. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, on va la mettre là. On va mettre la petite étoile ici en bas. Bon, déjà ça vous donne ceci. Donc déjà ça vous donne ceci comme carte. Elle est belle, hein? Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, les petites boules. Donc une boule de Noël. Je pense que je vais la mettre là. Ouais, voilà. Donc, je vais mettre une boule de Noël. Ici, voilà, je vais peut-être mettre l'autre à côté, voilà, attendez, hop, on va peut-être mettre celle-là à côté là, voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter, je ne sais pas, je vais essayer de voir pour mettre celle-là, bon, ça va pas, ouais, ouf, attendez, si je mets ça, ça va pas, oui, je vais peut-être essayer de mettre ça. Donc, il faut que je coupe. Donc,
c'est pas sympa couper, hein. Et hop, donc on va mettre un morceau de double face. Il est où mon double face? Il est ici. On va mettre un morceau de double face ici. Voilà. Attendez. On va mettre un morceau ici. Voilà. Et on va rajouter des petites perles, enfin des petites perles, des petits strass. Donc on va en mettre une là. Pff, je ne sais pas où je vais mettre. Là, peut-être non. Pff, il y a l'étoile. Je ne sais pas où je vais la mettre. Peut-être là, peut-être je ne sais pas. Peut-être là. Moi, je ne sais pas. Une là, peut-être. Et puis une. Je ne sais pas. Je vais voir. Et une. Ah oui, si, peut-être. Mais oui. Donc voilà. Voilà, une petite vidéo toute simple pour les débutantes ou peu importe, hein, pour les personnes même expérimentées. Voilà. Donc, une carte réalisée avec à peu près tout ce qu'il y a d'action, à part ici la bande de. La bande de perles que j'ai eu, que j'ai commandé chez Wish. Voilà. Et si vous mettez la photo ou un petit mot, ce que vous voulez. Donc voilà. Et après, bah, ici, le petit renard. On peut le mettre à ce moment-là. On peut mettre le petit renard. Ouais, bah, écoutez, on va continuer. Je vais rajouter une bande ici. Voilà, je vais couper. Voilà, je vais mettre de la colle. Voilà, voilà, voilà. On va mettre ici à peu près. Et on va mettre ceci. Voilà, hop. Et voilà, donc la petite carte est terminée. Donc ça ici c'est le dos de la carte et ici c'est le devant de la carte. Donc mon petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et je crois qu'on va se retrouver pour une autre vidéo, pour une présentation d'un album que j'ai réalisé, donc à December Daily. Donc ce sera normalement après cette vidéo. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.